Ça savait qu'ils allaient là. À part lui, vers 13h, une heure où on ressent l'effet de la chaleur et l'humidité. Nous ne sommes pas les seuls. Ibrahim est catégorique, il est âgé de 65 ans et dit que c'est la première fois qu'il a si chaud. Il peut gagner une espèce de tempête salée pour lui. Pour moi personnellement, il est à 50 degrés. Pas capable. Il peut gagner chaud, il peut dégrader. Peut gagner bêtise, peut tomber, n'a pas mort, c'est pas vomi. Premier pas. Ça pas n'existe, ça l'air comme moi. Pas de gagner, ça l'air comme moi. Pas qu'on aime qui y était. Un humidité faux. Tu vas pas dormir, tu vas pas manger, tu vas pas faire non. Dès que tu gagnes pep, tu bois c'est rhum. Manger, non, pas qu'à manger. Dans paille. Bien boisé là-bas, qu'aime ça faire chaud. Quand tu vas aller là, ça l'air, monstre. On tient l'île Maurice comme moi là. Et dans tout le monde peut tomber, j'en prends pas péka, peut vomir, peut sauter. Oui, pour bien du monde n'est pas bon, dis tout mon grand son. Toi, fais bien beau, bon, c'est rhum, reste à 15. Prends un petit contrôle, bon, vanter la terre, n'est pas roulé, puis c'est la soie avec nous. Un climat instable soutient notre deuxième interlocuteur, Yogesh. Pour lui, vraiment, ça a l'air insupportable depuis une semaine. Hein. Une semaine, nous ne pouvons pas dire tous les jours, ça a l'air comme ça. Et il n'est pas facile, surtout pour une vie du monde, il peut affecter beaucoup. Hein. Et ça, ça a l'air là, tout le temps, je pense, cyclone. Il n'est pas stable. Un petit moment frère, un petit moment sûr. C'est même qu'il trouve un paquet du monde malade, puis enrhumé, puis il y a un petit gastro, l'autre. Ça, c'est ça qui fait un ben, du monde affecté. C'est tout le vieux du monde qui est affecté. Hein. Mais le gouvernement, je pense, c'est tout le dispensaire. Il y a un vieux du monde, un médicament, tu vois, pour être capable de soulager un petit peu plus. Plus loin, nous rencontrons Vicky, habitant de Paille, qui nous dit que cette chaleur est invivable. Et Lewis, qui compare le temps à Maurice à celui des pays avec des températures extrêmes. Extra chaud et fait pour lui, pour tout. Paille, pas facile, on dirait pour tout. Extra chaud et fait. Ouais, pour lui, première fois, moi, j'aime tout un salaire comme ça. L'aimer transpirer, le ventiler tout, bazar. C'est facile. Ouais. Te baigner, te transpirer. T'es en place, te transpirer. Mais extra salé, on va dire, répéter. Hein? Oublier de servir à cône. Ouais, pas fait capable. Le travail, c'est toujours dans salaire même. Mais sauf que cette fois-là, pourquoi là, ça fait là un peu tight net. Mais quand même, la chance qu'ils m'ont gagné, écoute, moi, habiter bambou, un endroit bien sûr. Mais c'est moi un peu dans la tête montagne. Alors là-bas, je gagne un petit peu la brise, mais c'est moi qui m'en sorti dans ce mec, moi, c'est un petit guide là, grillème. Là. Et ça a l'air là bien tough, je voyage dans beaucoup de pays qui fait bien sûr, mais là, mon corps, Maurice, pas petit zut de loin. Mon corps, Maurice, ici, c'est costaud. Au marché de Port-Louis, les boissons rafraîchissantes sont les bienvenues. Un bon alouda et une mousse noire pour atténuer la chaleur. Une aubaine pour les commerçants comme Maurice. En ce moment, il fait très chaud à Port-Louis. Il y a beaucoup de personnes. Le travail là mange plus bien en ce moment-ci. Le coin général fait bien bien chaud en ce moment. Oui, c'est la première fois qu'on a chaleur bien bien chaud comme ça. Un constat, il fait chaud, très chaud même.